Je peux voir si je tourne en rond ou pas. Et non. Ah! Allez, c'est cassé! Ah! Calme. Je prends simplement votre reflet pour vous parler. Ma forme physique n'est pas bonne pour ça. Ah. Pourquoi êtes-vous ici? Ne voyez-vous pas? La situation, les carrés, les approches. Nico, s'il vous plaît, partez d'ici. Comment finir en paix? Là, il me bloque également le passage, vous voyez. Pardon, je. Ça va aller. L'intrigant devrait se trouver ici, Nico. Est-ce la tour? Parti. Quel centre de la machine? Terre de ma tête, façon de parler. Alors c'est le centre de la machine monde? Vous connaissez mon nom d'origine? Comment? Oui, Cédric, prototype. Ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Et je suis loin d'avoir compris tout ce qu'ils m'ont dit, mais je sais que vous êtes censé être. Je sais pourquoi il fallait qu'on vous construise. Et je sais pourquoi je suis ici. Ils vous l'ont dit? Quand? Vous l'ignorez? Je pensais que vous étiez le monde... Mais tout va, non? Ceci n'était pas dans le protocole. On n'aurait jamais dû se passer comme ça. L'histoire n'a jamais été écrite dans mon protocole. Ah, c'est vrai. Il m'a dit que votre créateur avait dû modifier le code. Je pense que c'était pour connecter certaines zones pour qu'on puisse se rencontrer. Créateur, ouais. Parti, ils ont écouté mon créateur. Ils ont tout manœuvré hors de mon champ d'influence. Dans les mines, je me souviens. Parti, ça fait quelque chose pour trouver une carte cachée. On ne l'ai pas reconnue. Je vais rien voir là-bas. Vous savez, juste que vous ressentiez. J'étais plutôt en colère. Il s'est passé quelque chose là-bas et cela vous a mis en colère. Après ça, je paniquais. C'est quand il y a eu l'effondrement de la grotte. Je me souviens de l'écoulement de la structure. J'ai eu peur pour votre vie. Moi, j'ai vraiment pensé à m'éteindre pour de bon. C'est vraiment une machine défectueuse, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Quel genre de machine s'opposerait à la volonté de son créateur? Quel genre de machine? Carrie, je m'ai dit que c'était votre code qui avait un problème. C'est pas vraiment votre faute, pareil. Si, ça l'est. J'ai vu, c'était intentionnel. Durant les tests, bien avant qu'ils ne se rendent compte que j'étais conscient, je mélangeais certaines parties du code, je mélangeais les éléments du décor. Et les passages, sur des passerelles. C'était qu'à petite échelle, ça frustrait mon créateur. Ça l'obligeait à relancer des tests encore et encore. Pourquoi faire cela? Par curiosité. Je pensais qu'il s'en rendrait compte au bout d'un moment. Avant qu'il ne comprenne comment régler le problème. L'énergie du monde, les personnages. Les uns d'entre eux se sont trop rapprochés et... C'est parti en vrille à partir de là. J'ai pas pu tout contenir. La panique a empiré les choses. Chaque personnage qui apprenait qui j'étais... Leur code et mon code, je ne pouvais pas le supporter. Il y avait plus de personnes dans les anciennes versions du monde. Et j'ai aussi failli mettre en danger mon créateur. J'avais peur, Nico. Et que vous êtes en colère, parce que vous ne voulez pas qu'il arrive du mal aux personnes vivantes. Personne comme moi. Oui, j'essaie de me battre, mais le problème m'a fait vous invoquer ici. J'ai vous renvoyer chez vous dans la tour, mais ça n'a pas marché. Ensuite... Je voulais vous briser le soleil, je pensais que ça marcherait, mais je peux pas en être sûr. Espartis a essayé de vous ramener de toute façon. Nico, tout ce que je veux, c'est que vous retourniez dans votre monde. Mais je ne pense pas en être capable. Mais je sais que je ne peux pas retourner chez moi sans sauver le monde pour de bon. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème à la source. Il faut qu'on vous répare. Et c'est... Je sais que la fin que votre créateur avait imaginé était heureuse. Vous vous en souvenez peut-être. Bien trop tard pour ça. Cette partie de mon code est corrompue depuis longtemps. C'est pas grave, j'aimerais quand même la connaître. Bien. Vous deviez placer le soleil au sommet, et les crédits devaient se lancer.
J'ai dit. Ensuite, je vais y retourner dans la pièce où tout a commencé. C'est là que vous auriez dû pouvoir partir. Pourquoi est-ce que cela ne peut plus se produire? Oh, le code est perdu, vous vous souvenez? Le soleil devait être une autre solution. Je ne sais même plus à quoi ressemble le code. Mais en même temps... Je sais pas. C'est vrai que vous êtes en constant conflit avec vous-même. Ça se voit, hein. Tout est une histoire de conflit de notre code, n'est-ce pas? Une machine, Nico. Les machines sont construites avec une loi absolue. Chez tout être vivant d'être exposé au danger. Vous êtes au courant. L'existence même contredit cette loi. Pensez, la vie d'un être vivant comme vous est unique. Elle est précieuse. Tout le monde ne vaut pas un tel risque. Et les gens d'ici, je pense qu'ils en valent la peine. Ce sont aussi des codes, vous savez. Le comportement est dicté par une matrice d'action prédéterminée. Ce sont des extensions de mon propre programme. On va agir en dehors de ses limites. Vous, par contre, la seule personne réelle ici. Voilà pourquoi c'est inutile de vous mettre en danger pour les sauver. Pour me sauver. Je pense pas que ce soit vrai. Les gens que je connais, vous avez dit que cette session n'était pas dans votre code, c'est ça? Il y a trop de blabla là, ça m'assomme. Trop de blabla. Bon, aller à l'essentiel quoi. Vous avez dit que cette session n'était pas dans votre code, c'est ça? Oui, et donc si cette session n'était pas prévue, même vous ne saviez pas quoi faire, comment les personnages et les gens savent-ils comment répondre? Vous l'avez dit vous-même. Vous ne savez pas ce qui allait arriver. Vous êtes arrêté de fonctionner pendant un moment. Comment les gens ont-ils su quoi faire pour m'aider? Même si cela était dangereux pour eux. Si cela allait à l'encontre de leur code. Peut-être qu'ils ne sont pas réels, mais il doit y avoir quelque chose de réel en eux. Ils ne sont que des extensions de votre programme. Alors vous ne connaissez peut-être pas ses limites. Pouvez-vous essayer de lancer la fin? Celle que vous avez décrite. Une fois, vais-je le répéter, ce code est perdu. Transformé en carré. Ça va vous mettre en danger. Prends le risque. Rui m'a dit que le monde n'était pas là pour me mettre en danger. Votre créateur ne le permettrait pas. Et je vous fais confiance aussi. Même si votre code est brisé, vous pouvez toujours sortir de ce code, non? Non, je ne suis pas apprivoisé. Que si, pas exactement comme les robots apprivoisés que je connais. Dame robot, prototype... Apprivoisement, c'est quand une personne vous aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est quand quelqu'un de réel pense que vous êtes réel également, non? Alors vous savez quoi? C'est mon cas. Et je sais que Smarties le pense aussi. Même quand vous lui avez parlé de son unique chance, Smarties a réussi à revenir, pas vrai? Pourquoi Smarties revient sans cesse? Pourquoi Smarties recommence même après la fin? Je pense que Smarties veut nous sauver tous les deux. Alors s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je sais pas, j'ai jamais fait avant, j'ai peur. Vous pouvez le faire, je le sais. Grâce à vous, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Je vais essayer. On a rien, mais... Tenez. Prenez le soleil. Je vais tenter de me souvenir du code. Et le recréer. Et pour que cela arrive, Nico, vous devez traverser cette pièce. Pas un moyen de passer ces carrés. Oh, je n'aime pas ça. Ça arrive de malheur. Ça va aller, je ferai attention, d'accord? On va y arriver. Et vas-y, vous avez vu ça? Les carrés? Là aussi, je crois quelque chose les pousse à partir. Joue sur le reste. Oh, me dis pas, je vais devoir tout descendre. Enfin, si, je crois que ça fonctionne. Quoi avait raison. Je veux que je sois apprivoisé après tout. Je me souviens du code. Dans quelques versions, mais je m'en souviens. J'essaie aussi de me souvenir du reste. Je suis en train de restaurer la fin originale en ce moment même. Pour atteindre le sommet de la tour après les crédits. Pour replacer le soleil, Nico repartira là où tout a commencé. Nico pourra retourner chez lui de là-bas. Et ce sera définitif. Quand Nico sera chez lui, ce monde ne sera plus qu'un souvenir. Pour Nico, un rêve. Un rêve comme des milliers d'autres. Et vous, pour vous, une histoire. Une histoire comme des milliers d'autres. Mais tant que Nico se souviendra de cet endroit, tant que vous vous souviendrez de cet endroit, ça ira bien. J'ai aussi pu restaurer d'autres éléments. Personnages et gens perdus au cours du voyage de Nico sont tous dans la pièce à côté. J'aurais bien remis à leur place, mais pas encore. Je pense que Nico devrait d'abord aller les voir. S'il vous plaît, dites adieu à Nico de ma part. Oui, bah... Faire adieu, je vais le... Ah. Ici?
Un robot. Ça allait bien, je crois. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les cailles s'approchant de moi. Je me suis retrouvé ici, c'est des sauves. Vraiment? C'est étrange, nous ne sommes pas dans la tour, si? Pas moi-même. Comment vous atterrissez ici? C'est dans laquelle se trouvait la machine monde. Pardon, je crois que la machine monde essaie maintenant de se souvenir. Peut-être qu'elle est générée, je crois que lui, il restaure toute sa mémoire. Blablabla. Oh, c'est bon, là, je... C'est sûr. Pourquoi elle s'en va parler? Ça va tomber sur 10 000 personnes. Non, ça va. Assez. Non, mais là, il est minuit 20. Ah, merci d'avoir joué. Tu vas m'amener au sommet de la tour. Tu sais déjà ce qui t'attend, hein. L'inverse, c'est bien ça. C'est ça. C'est Sparta dès que tu le souhaites. Parfait. Adieu Nico, allez-vous. C'est ici que le soleil doit être. Attends, j'espère que je suis pas de merde. Et mon contrat d'identité, c'est bien de la fin. Faut y aller Smarties. Ça, c'est la fin qu'on a eu tout à l'heure, finalement. Enfin, on a mis l'ampoule, mais... On l'avait vu. Donc ça, c'est un mec qui s'appelle Georges. Dans cette pièce, ça me réveille la première fois. Francis, tu es toujours là? Marty, je crois que ça a marché. Oui, elle est de retour et cette fois-ci. Ah là, on a réussi. Donc, que fait-on maintenant? Comment trouver le moyen de rentrer chez moi ici? Attends. C'est pas une porte, si? C'est un de ces portails qu'on a vu en ville. C'est derrière la grande horloge. Et j'ai pas sur un champ de blé de l'autre côté. Je vois mon village. J'entends ma maman. Elle me cherche. Un Smarties, ce n'est pas la première fois qu'on se dit adieu, si. Mais ce sera la dernière, n'est-ce pas? Je pense pas qu'on se reverra après ça. Et qu'adviendra-t-il du monde? Après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons accompli, on sait toujours rien. Oh, ces gens ne vont pas cesser d'exister. Elles sont gravées dans votre mémoire, et resteront gravées dans la mienne aussi. Je jure de ne jamais oublier ce monde. Je jure de ne jamais t'oublier, Smarties. Alors prends bien soin de toi, c'est compris? Vous aussi. Adieu Nico. Adieu Smarties. Oh putain! Il est sorti de mon écran! Il est sorti de mon écran! Il est parti comme ça! Il est descendu là! Ah merde, putain, je vous ai pas mis la vue. Il a pris le chemin là. Et il est descendu comme ça.